Ça vient à cet instant de commencer. Je vous rappelle que juste après, il y aura Monica Seles contre Steffi Graf, l'autre demi-finale. On était en train de parler de pronostic avec Jean-Paul Loth et avec Lionel Chamoulot. Juste un petit pronostic, et ben, on va demander à Henri aussi. Oui, merci. Merci, mon cher Pierre. Je vais avoir besoin d'un... Il pleut sur le plateau, là, mais c'est super. Non, mais c'est vrai que, bon, le pronostic, sur le papier, on parlait surtout de Martina Hingis, mais je crois que... Très long, bombé, qui n'auront pas beaucoup de consistance. Et qui obligeront la Suissesse à jouer tout après le rebond en commençant le tennis. Quand on dit qu'elle n'a pas de coup fort, elle laisse toute prise de balle très tôt et accélération. Celle-là, elle a avancé. Non, pas oui. Sans problème. Eh bien, sur ces deux derniers jeux. La faute. Oh là là. Wow, on fait si loin de la balle, c'est rare. C'est splendide. Peu de joueuses sont capables de prendre la balle. De quatre tournois qui s'appellent le Grand Chelem, le plus grand tournoi du monde. Oh, que c'est bien joué, elle est exceptionnelle. Dans de prochains points, des prochains jeux. La confiance revienne, ça c'est magnifique. Superbement joué, une spectatrice a pris la balle. On l'aime bien. Il y a toujours un parti pris pour Graf ou pour Céleste, notamment quand il s'est agi de jouer les finales. Et là, il y a peut-être qu'elle va. Le temps, son sourire saura gagner les cœurs des spectateurs. Magnifiquement joué. Vous avez entendu le fameux Vamos. Magnifique, oh là là, c'est bien joué. L'extraordinaire joueur là pour faire ce type de volée. La longueur de balle. Bien joué. Bien défendu à Hansa. Oh là là. Étonnant comme elle contrôle les bouts de course. Quelle accélération! Oh là là. C'est merveilleux. Hein. Ah, oui, elle a pris la balle. Ah, bien voilà, elle perd ce point, elle a reculé. Elle avait l'occasion d'avancer vers le filet. Voilà. Ça va, dommage.
En tout cas, c'est monté d'un ton là, hein, sur le cours central. Ouais, c'est difficile de conclure. Tant mieux pour le spectacle. Oula, magnifique ça. Magnifique. La domination dans l'échange. Là, elle s'en va. C'est fait, mais c'était limite à un moment. Arantxa Sánchez s'est vraiment fait peur. Elle pensait que 6-0 pouvait sanctionner ce premier set. C'est à ce moment-là qu'elle a bien joué. Et le contre-pied, oh, tranquille, vision du jeu. Magnifique. Et voilà, on lui avait proposé de venir finir les points à la volée. Partez en arrière au moment où vous vous frappez. Suivez la balle en cours. 15. Elle a encore pris la ligne. Oh là là, oui. Elle était débordée. Une accélération magnifique. Les deux mains ne doivent pas réduire la préparation, forcément, ça arrive souvent. Oh, que c'est bien joué. On ne voyait absolument pas où. Pour que le spectacle soit total. Bien joué ça. Elle a bien renversé le sens du point là. Les petits pas d'ajustement d'Arantxa. Elle a eu raison car. Beau passing. Un énorme coup de tennis. Ouais. Oh, il n'y a plus personne sur le court. Disons qu'on pensait possible de copier ça par n'importe qui, mais c'est vraiment un coup particulier, personnel. Refait un coup à peu près identique en qualité. C'est dehors celle-là. Okay. Le rebond. Ouh là là. Formidable Sánchez, bien joué. Ce coup-ci, l'amorti a fonctionné. Belle enchaînement. Eh oui, le réflexe. Service volé, excusez du peu, à deux reprises.
Eh bien, c'est fait. La première est la bonne. Jeu blanc pour plier cette demi-finale. 6-3, 6-2 en 1h et 3 minutes. La bise tout de même entre les deux. Et pour la deuxième fois de sa carrière, Martina Hingis jouera une demi-finale ici à Roland-Garros. Un match, on va dire, à sens unique, Jean-Paul. Dans